È già tempo di Vuelta. C'est déjà l'heure de la Vuelta. Mon favori à moi, c'est Jay Hindley de l'équipe Brands-Group pour une double victoire qui serait vraiment la véritable percée dans la carrière de ce jeune garçon. Donc moi je dis Jay Hindley. Simon Yates. Simon Yates. Le scientifique va-t-il enfin gagner la Vuelta cette année? Fino a che non vince Simon Yates la Vuelta, io la barba. Aussi, dans ce cas-là, je vais me raser la barbe. Comme si vincesse un italiano. Parce que jusqu'à ce que Simon Yates gagne la Vuelta, je garderai ma barbe longue. Pour moi, le vainqueur de cette Vuelta sera Remco Evenepoel. Bien sûr, il y a des sceptiques. Je doute un peu de lui, évidemment, encore un petit peu sur une course de 3 semaines. Mais je pense qu'en se basant sur sa forme récente à la Classica San Sebastian, il va anéantir tous les autres. Mon favori pour la victoire dans cette Vuelta, c'est Primoz Roglic. C'est certain qu'il arrive avec quelques doutes parce qu'il a souffert sur le Tour de France. Mais il a pris finalement la décision de participer à ce Tour d'Espagne. Donc je pense qu'il a une forme assez bonne pour courir. Il sait ce que ça fait de gagner. Il l'a gagné 3 fois déjà. Et c'est très important. C'est pourquoi mon favori, c'est Primoz Roglic. Lorsque le soleil se couchera sur ce Tour d'Espagne 2022, ce sera Simon Yates qui montera sur la plus haute marche du podium avec ce maillot rouge. Il s'est présenté au Giro avec l'intention de le remporter. Il s'est blessé au genou, ce qui l'a mis hors course. Mais il a tout de même remporté 2 étapes de montagne. La Vuelta est souvent une course de rédemption, donc je pense que c'est exactement ce que Simon Yates va faire. Et il va gagner cette Vuelta. Cette année, cette Vuelta, elle va être gagnée par João Almeida de l'équipe UAE. Pourquoi? Il est jeune, il est affamé et il est talentueux. Il a montré à plusieurs reprises dans le Giro qu'il est un coureur de classement général sur les grands tours. Et après ce Giro, cette année, il a eu le temps de récupérer et de se préparer pour la Vuelta. Il est très concentré. Son équipe UAE sait comment gagner de grandes courses et le long contre-la-montre de cette année lui convient parfaitement. Mon choix pour cette Vuelta, c'est Primoz Roglic. Il a déjà gagné cette course, il a une équipe très forte derrière lui et le parcours lui convient très bien cette année. Donc pour ces raisons, il sera mon choix pour le classement général. Le 27 septembre 2018, à Innsbruck, j'avais annoncé que Remco Evenepoel, qui n'était alors que junior, allait un jour gagner un grand tour. Je crois que c'est l'heure. Oui, c'est bizarre parce que moi j'ai mis le même favori pour cette Vuelta. Alors, j'ai pas parié en septembre 2019, mais depuis San Sébastien, donc ça fait pas si longtemps. J'aurais jamais vu vainqueur d'un grand tour cette année, mais il m'a tellement impressionné ce jour-là dans des pentes à 10% que je dois remporter la Vuelta cette année.